et bienvenue dans le journal La Medivest.cap dominé actualité. Activité yo reprend dans capitale là après journée grève 18 septembre, l'école à commerce a fonctionné et puis machine publique yo circulé normalement. Coordonnateur parti Union nationale pour intégrité et réconciliation Unir Clarence Renoir encourager président République là faire bon genre dialogue à tout secteur pour capable joindre solution dans divers problèmes pays a fait face. Ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural Carmel André Béliard a publié mardi résultat de la troisième enquête nationale sur production agricole là dans quatre démarches pour renforcer le secteur. Directeur général de l'Office national d'identification, Wilson Fièvre, a confirmé qu'il y a un programme pilote qui est lancé pour bailler tout bébé en numéro depuis au fait dans l'idée pour identifier tout le monde dans le pays. Dans un pays étranger, le président américain a menacé pour lui détruire le pays de Corée du Nord, rappelé ça nécessaire, dans le premier discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, jeudi, dans New York. Et puis, l'ouragan Maria qui passait dans la catégorie 5 a secoué les matins à Guadeloupe hier soir, à gros rafale vent et puis en pile la pluie, après les fins ravagées de l'île de la Dominique. Restez branchés, nous allons développer pour ça pour vous dans un moment. Merci parce que vous êtes branchés, nous disons bienvenue dans le développement journal là. Toute activité yo reprend normalement dans la capitale là ak zone qui sous côté lio après journée grève 18 septembre nan côté syndicat transporteur yo té mobilisé pour forcer chef l'état retourner sur décision pour publier budget. Malgré bien bonnet matin, té gen coute zam k'ap tire nan quelque côté dans la capitale là tant cours soit avenue Poupler, l'école yo l'ouvri porte yo, magasin fonctionné et puis machine publique circuler sans problème côté tout monde capable une activité yo sans qu'elle saute. Coordonnateur national Parti Union nationale pour intégrité et réconciliation Unir Clarence Renoir déclaré représentant parti politique qui était participé dans rencontre semaine passée à Palais national pas satisfait des réponses président Jovenel Moïse Tebayo par rapport à inquiétude gain sous budget. D'après dirigeant politique là budget a c'est occasion population a profiter pour manifester déception devant situation économique là qui vient plus grave chaque jour plus plus. Monsieur Renoir a profité encourager chef l'état prendre chemin dialogue qui sincère pour capable joindre solution à problème pays a. Clarence Renoir a répondu question Jean-François Danger dans téléphone sur Radio Pacifique à nous suivre. L'autre intervenant de représentant du parti politique t'est allé dans le même sens là même si bon personne n'a joint une réponse satisfaisante auprès du président. Deux bagages moi comprendre dans la question dialogue là ou bien dans la question gouvernance pays en général. Nous besoin de transparence dans la gouvernance pays. C'est ça qui va le ba moun yo confiance dans dirigeant yo. Puis ouais que dirigeant va diriger bien et que il y a transparence. Et c'est ça on fait allusion à lui même lorsqu'on parlait de analyse que Quentin Farrell fait et qui fait un tollé dans pays pour dire gagner menti ou bien insincérité dans ça qui dit de la part des autorités. Sous construction parlement, sous reconstruction par les nationales, gagner des corrections pour nos côtés, parce qu'effectivement, le budget, alors l'île, c'est pas ça qu'il dit. Nous-mêmes, nous pour que le peuple soit capable d'exprimer frustration, lui, besoin, lui, attente, lui, nous sommes capables même dire déception, tout parfois, par rapport à une politique, où l'État qui a mal fonctionné. Cependant, nous pas encourager que y ait des actes de violence qui fait dans type de manifestation, ça, qui est constitutionnellement reconnu. Concernant la décision Sénat République la prend pour lancer processus formation conseil électoral permanent, responsable Unir l'homme d'instance concernée au prend disposition pour empêcher pays à faire face à qu'une autre crise. D'après Clarence Renoir, faut que c'est monde qui crédible qui doit en institution ça pour empêcher contestation bon côté place politique là. On nous suit. Ça, c'est un problème politique qui va le poser. Parce que quand on parle de conseil électoral permanent, c'est un conseil électoral qui va là pour 9 ans. Et pas gagner aucun parti politique. Et même penser que le parti qui est au pouvoir, s'il était dans l'opposition, pas gagner même attitude-là. Pas gagner aucun parti politique qui va l'accepter que mon conseil électoral qui monte là, de manière bancale, de manière partisane. Parce que c'est une institution qui va régler la vie politique là pendant 9 ans. Nous le doué. Je parle du pouvoir ou des forces, au Parlement, de l'exécutif, du judiciaire, qui va le même monde, pour chercher les mondes les plus crédibles possibles, pour mettre la danie, pour faire des consultations les plus larges possibles, pour que les choix soient faits, pour que les choix ne soient pas contestés. Et donc, là, je pensais que l'humanité, justement, on dialogue encore une fois, pour que même si constitution dit exécutif, la choisit toi, Parlement, choisit toi, et judiciaire, choisit toi, mais pour ça, fait dans une concertation large, pour qu'on équilibre politique à l'intérieur de l'institution électorale là, pour personne n'a l'impression qu'il y a force côté et que le ça, il va contester l'existence de l'institution. Parce que nous devons être sensibles à ça.
c'est une institution qui va exister, qui va régler la vie politique dans ce pays, organiser des élections dans ce pays pendant 9 ans, et bien les doués, une institution qui est stable, pendant que les va garantir à travers les gens qui sont meilleurs, que c'est des gens qui sont capables de faire confiance. Directeur général Office National d'Identification, Wilson Fièvre, fait connaître un projet pilote pour identifier bébé yo depuis yo fait dans l'idée pour capable identifier tout le monde dans le pays et puis ba yo un numéro. D'après monsieur Fièvre, on y a 7 millions de monde qui ont enregistré dans base données ONI yo. Responsable a promet pour installer un système de contrôle à l'identification sous frontière. Déclaration Wilson Fièvre dans le micro Vladimir Galette en nous suivre. Aujourd'hui, nous avons presque 7 millions de citoyens qui ont enregistré dans la base de données. Nous. Objectif non, mission non, principalement, c'est pour nous enregistrer tous les citoyens pour nous arriver à joindre nos cartes, un numéro unique avec eux. C'est un numéro d'identification qui doit suivre jusqu'à la vie. Attribution non, c'est fait 4 pour tous les citoyens de la naissance. Pour nous identifier tous les citoyens, ça c'est préoccupation. Non. C'est ça le plus important pour nous. Il y a 11 à 12 millions haïtiens qui existe dans le pays, pour jusqu'à maintenant vraiment nous avons une base formelle, donc une base de données, pour nous capables vraiment regarder est-ce que ce chiffre est là, le réel, ça n'a pas existé. Objectif, préoccupation, passion, c'est pour mettre ça possible très bientôt, c'est enregistrer tous les citoyens qui existent dans le pays, côté l'État, autorité, concerné, qui peut faire des décisions, il y a des données disponibles avec eux, pour regarder dans quelle zone qui a pour essayer de faire un support. Côté monde qui est plus vulnérable, tout ça, ok, est capable de garder à partir des bases de données ONI. C'est l'institution de l'État en Haïti qui gagne un système biométrique qui assure tout le monde qui est enregistré, les ben un numéro, les associé avec un données biométrique qui garantit que le monde ne va pas retourner encore, venir prendre l'autre numéro encore. C'est celle ONI qui gagne ça. On a travaillé tout côté pour nous mettre un système pour nous aider les pays à plus. Avec un système de validation tout aux zones de frontières, par exemple, il y a un mouvement de citoyens qui ont entré et sorti. Il faut l'État ait un contrôle de ça. Pour qu'on contrôle de ça, il faut nous avoir un système de vérification pour nous connaître qui est capable d'entrer, qui est capable de sortir. À l'aide des empreintes biométriques, nous avons lancé un pilote. Côté pour n'pas enregistrer tout le monde de la naissance. Nous avons 4 hôpitaux dans la zone métropolitaine qui sont déjà engagés. DG ONI, en l'autre côté, rappelé processus renouvellement 4 identification nationale a commencé le 1er octobre prochain. A pendant le préciser, pas aucun l'argent contribuable à payer pour ça. On nous suit toujours. Nous avons 3,7 millions de citoyens qui sont dans la base de données noires. Nous devons renouveler. Nous avons annoncé ça. Quelle que soit la circonstance, la situation. N'a pas commencé à renouveler tout citoyen ça qui expiré pour normaliser avec un cadre légal à partir du 1er octobre. Et puis encore, besoin éclaircir que tout citoyen qui attendait ça matin, renouvellement ça fait là, n'ont pas gain pièce corps bon citoyen pour le payer. Tout service ONI jusqu'à présent, est gratuit. Non bail service côté non enregistré citoyen. Non bail service côté non pas doléance dans mais basé sur changement y a fait sur carte. Non bail service côté non livré carte bail. Non bail service côté si yo pas capable retendre non carte qui fait yo besoin certificat. Tout service ça yo gratuit. Tout rumeur qui a couru dans l'arrière, il y a besoin d'éclaircir la population. Que ça, c'est menti. On n'a pas gain autorisation. Ce n'est pas que on n'a pas chargé, non? Il y a une différence que on n'a pas chargé pour 4 là. Mais on n'a pas gain autorisation légale pour demander aux citoyens un good pour service là-bas. C'est pour ça, jusqu'à présent, je dis à service non gratuit. Ministère agriculture publié journée mardi à 3e enquête nationale sur production agricole là d'après enquête ça campagne printemps gouvernement a été lancé dans commencement année permettre de renforcer production nationale là cependant Carmel André Bélia reconnaît qu'il y a un déficit qui fait dans quelques filières en copois après passage à Mathieu pour ministère agriculture enquête nationale sur production agricole là c'est un bon outil pour secteur parce qu'il fournit bon genre données statistiques qui permettent de prendre bon genre décision pour renforcer agriculture Carmel André Bélia. Aujourd'hui, on a publié le résultat de la troisième enquête nationale sur la production agricole. Nous croyons que ce sont des gros outils pour la planification dans ce secteur-là. Donc, c'est lui-même qui a des données et des données assez pertinentes. Il a des données sur le rendement, il a des données sur le niveau de sécurité alimentaire, il a des données sur la zone que vous êtes capable d'enregistrer des cas de sécheresse, des cas d'inondation et impact. Catastrophe ça yo sous production et parfois tout l'on fait des
effort pour remonter la piste, c'est lui-même tout qui ordonné, qui connaît est-ce que l'effort a été gagné effet, est-ce que le pas de gagné effet. Bon, grand sécheresse que nous connaissons, que nous avons gagné en 2015, hein, nous venons que l'intervention que nous faisons au niveau des dernières campagnes printemps en 2016, ils permettent plus ou moins de nous remonter la pente. Nous convaincus que vraiment nous avons gagné l'effort et nous avons gagné un petit résultat plus ou moins significatif à partir de record campagne printemps. Mais il faut que nous disions tout. C'est un bail qui est important pour nous-mêmes tout, pour nous consulter résultat ça, on a planifié notre campagne. Par exemple, actuellement, on a planifié campagne d'hiver. Donc, dans l'enquête, ça, nous tirons des leçons, tout, puisque nous faisons des recommandations après certaines données. Donc, c'est ainsi que nous sommes obligés de consulter résultats préliminaires pour nous être capables d'avancer, parce que nous, en pleine planification, nous, d'ici mois prochain, hein, on a commencé campagne d'hiver. Déficit que nous identifions, c'est à niveau de certaines filières. Ouais, parce que là, prend le cas, par exemple, et au CAI, à peine nous finissons une campagne printemps, si on a côté noté, puis bien réussi la campagne là, près de 5 000 hectares, 5 à 6 000 hectares emblavés, ouais, en haricots et en d'autres céréales. Et tout de suite après, et cela après Mathieu, nous venons enregistrer deux inondations ouais, qui viennent plus ou moins faire nous permettre que nous fassions un déficit par rapport à tout effort que nous avons fait après post-Mathieu. Mais en principe, ce sont des déficits qui n'ont pas gagné trop de signification ouais, sur la sécurité alimentaire. Toujours dans le même dossier, c'est l'Union européenne qui a financé le travail en enquête pour une valeur de 2 millions d'euros, d'après le représentant de l'Union européenne non, en Haïti, Vincent Degère. Puis loin, M. Degère fait connaître qu'il faut gagner bon genre d'efforts qui fait pour renforcer le secteur agricole. Là. Vincent Degère. C'est un cadre très stratégique pour nous, puisque ça fait plus de 3 ans qu'on accompagne le ministère dans cet effort statistique avec nos collègues de l'USAID. C'est près de 2 millions d'euros qui ont été investis dans ce programme pour doter le ministère des outils d'indication de la photographie, on va dire, de l'agriculture haïtienne, pour permettre au ministre, comme il l'a dit tout à l'heure, de faire les choix stratégiques de réorientation de l'agriculture, de soutien à certaines filières porteuses, de travailler sur deux plans, je crois, d'une part sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, donc d'aider effectivement la production agricole pour nourrir l'ensemble de la population haïtienne, mais aussi de trouver les bons secteurs, les bons créneaux qui sont porteurs pour l'exportation des produits ou la substitution de produits d'importation ici en Haïti. Donc c'est un outil stratégique tout à fait essentiel. Ça n'empêche pas qu'il y a des fragilités, comme le ministre l'a dit, il y a des inondations dans certaines zones, il y a des problèmes, donc il faut prendre en compte ces problèmes, travailler sur les canaux d'irrigation, les bassins de retenue d'eau, etc., pour justement aider la production agricole à mieux se développer en Haïti. N'a pas se connu avec nouvel pays étranger au côté président américain prononcé premier discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies aujourd'hui à New York aux États-Unis côté les menacer pour les détruire pays Corée du Nord rapidement. Donald Trump a déclaré nous pas bien l'autre choix si nous arrivons dans une position côté nous obligé de défendre tête nous ou soit aider alliés nous yo faire. D'après président Trump, dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a embarqué tête li dans une mission suicide avec programme nucléaire ça malgré toute pinga communauté internationale là voyez Bali. Pour chef l'État américain, c'est un scandale tout pour l'autre pays continue à faire commerce à Corée du Nord, Bali bourra de l'argent alors qu'il y a fait gros danger conflit nucléaire pendier sur tête toute planète là. Toujours dans pays étranger, ouragan Maria qui passait dans catégorie 5 s'est coincé les Martiniques à Guadeloupe hier soir à gros rafale vent et puis en pile la pluie après les fins ravager zilé la Dominique. Autorité au poko bay bilan, même premier ministre lan qui gen tête Kaili qui allait écrit sur page Facebook li, dans stade nou yela nou perdi tout ça qui était ka perdi. En suit un reportage avec Euronews pour plus de détails. Une dizaine de jours après le passage ravageur d'Irma, les Antilles sont encore en alerte. L'ouragan Maria a longé pendant la nuit la Guadeloupe. Les rafales à plus de 200 km ont balayé l'île française, où il est tombé en une nuit l'équivalent de 8 mois de pluie à Paris. En 24 heures à peine, l'ouragan Maria a été réévalué de la catégorie 2 à la catégorie 5, la plus élevée. Qualifié de potentiellement catastrophique, il progresse en direction du nord-ouest après être passé à 50 km des côtes nord de la Martinique. Mais c'est la Dominique qui aurait été la plus sinistrée. L'œil du cyclone est passé juste au-dessus de cette île des Caraïbes avec des vents à plus de 250 km/h. Aucun bilan n'a été communiqué, mais le Premier ministre évoque des destructions très étendues. À ce stade, écrit-il, nous avons perdu tout ce qui pouvait être perdu.
Une dizaine de jours après le passage destructeur d'Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les deux îles des Petites Antilles, très vulnérables, ont été placées en alerte rouge. Maria pourrait ensuite frôler plusieurs îles de l'arc caribéen avant d'atteindre les îles Vierges britanniques et américaines et Porto Rico, où les habitants se préparent. C'est là le journal non fini pour aujourd'hui. Merci pour fidélité et attention. On a demandé aux rétés blanchés que les Pacifiques pour capables de suivre ce programme. Au revoir.